Waouh! Seigneur! Salut la famille, bonjour! Ouais, oui, on jubile quand même la victoire de Cédric Doumbé. Voilà toujours. Voilà encore comme ça le nombre de bateaux qui vont. Et les gars vont encore prendre la route. Que non, c'est là-bas qu'il y a la chance de réussir dans la vie. Ah oui. Derrière la victoire de Cédric Doumbé, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu découvres, toi? Toi, tu ne vois que le Cameroun. Ouais, mais moi je vois les morts. Les morts qui vont s'enfuir au désert, à Méditerranée. Parce que ça va impacter sur nos petits frères. On acclame, c'est bien. Oui, de l'autre côté là-bas, on offre la chance à tout le monde de réussir dans son domaine. Dans son domaine. Ah oui, il y a les gars super forts au Cameroun. Est-ce que le Cameroun offre les opportunités là? Non. Elle dit que pour réussir là, elle dit que pour réussir dans certaines choses, il faut que tu quittes le Cameroun pour aller ailleurs. Est-ce que c'est normal? Et c'est normal. Ah oui, il a gagné, oui, mais alors, son nom de quoi? Son nom de la France, il est français. Voilà. L'administration, c'est les écrits, c'est les documents. Ouais. Il y a même beaucoup de prix là que les gens gagnent. Mais avec, à la fin, tu te rends compte que celui-là même, c'était pas un Camerounais. C'était un Français. Hein? Parce que le sport, c'est quelque chose aussi, c'est très compliqué le sport. Voilà. Parfois, tu vois quelqu'un alors que il n'est pas Camerounais. Il est Français. Il a un passeport que tu ne peux même pas imaginer. Mais comment ne pas parler? C'est top secret. On fait comment? C'est un peu comme l'âge des sportifs. C'est top secret. Top secret. On va faire comment? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Mon fils qui fait le karaté m'a appelé hier. Papa, papa. Oh, Cyril Doumbé a gagné. Oh, Cyril Doumbé a gagné. Là, ça m'amène à réfléchir. Qu'est-ce que moi aussi je vais faire avec l'enfant là? Bah, c'est comme ça que ça commence. Je lui ai montré que le père là, il peut continuer à s'entraîner. Comme il a dans la ceinture noire là. Mais dans sa tête déjà là, regardez, voilà comme ça les problèmes. C'est mon fils qui m'appelle. Il dit papa, il me dit que papa. Donc ça veut dire voilà quelqu'un qui n'a presque pas dormi, qui est en train de vouloir voir le combat de son grand frère qui est de l'autre côté de l'Occident, de la Méditerranée. Donc vous voyez dans quoi, c'est-à-dire que vous voyez dans quoi un système mal organisé créé. Voilà, ça crée des frustrations. Moi qui n'ai pas l'intention d'envoyer ma part d'enfant dehors. Voilà, il y a comme ça là la pression. Voilà la pression. Ah oui. Il n'est pas brave, il est brave. Il n'est pas fort, lui aussi il est fort. Hein? Il a la ceinture noire. Il a la ceinture noire. Non, c'est un maître. Malgré son âge, il peut ouvrir déjà son club. Hein? Déjà, chaque citoyen. Chacun peut ouvrir son propre. Il faut seulement t'affilier. Voilà, tu respectes, tu as les documents. Maintenant, tu cherches un maître pour coacher, pour entraîner les enfants. Un enfant qui vient payer moins cher, c'est 5 000. Ça veut dire que lui-même peut ouvrir son propre. Mais je vois d'ailleurs la pression. Ça veut dire que bah, tu vas l'envoyer où alors pour qu'il devienne comme Cédric Doumbé? Tu vas l'envoyer où? Tu vas l'envoyer où au Cameroun? Ce n'est que le dehors qui peut offrir ça à ses enfants. Ah. Et dans notre tête, on a tout mis que non, ceux qui font les travaux physiques là, martial, non, c'est les îles. Qui vous a dit ça? C'est en Afrique qu'on sort idiot, on ne connaît pas ligne écrite. On sort en alphabet. Il y a les footballeurs européens que tu vois là, mon gars. Si on te parle son bagage, tu vois Wanda. Mais oui, même au Cameroun, il y a ceux qui jouent, qui ont fréquenté. Mais tout ça, la majorité, c'est pour la diaspora. Regarde Patrick Mboma. Les Didier Drogba. C'est les gars qui ont moins. Mais ils ont moins où? Chez les Watts, parce qu'ils ont parti chez les Watts étant petits. Patrick Mboma, j'avais suivi l'interview de sa mère. Il est parti en Europe.
à 2 ans, à 3 ans. Bah, sa mère était hôtesse. Voilà. Et Didier Drogba, il est parti en Europe par le biais de son oncle. Peut-être à moins de 5 ans. C'est normal qu'il s'exprime bien. Mais oui, c'est un atout. Donc, c'est-à-dire, là-bas, on te forme à ce que tu vas à l'école, en même temps, tu t'exprimes dans ce que tu aimes, dans l'art. Voilà ça, on l'acclame. Je vous rappelle, ce n'est pas un diplômé. Hein. Ce n'est pas un ingénieur. Peut-être ingénieur dans son art. Voilà. Il bagarre pour vivre. Il tape les gens pour vivre. Donc voilà comme ça les multitudes de chances qu'on donne dans d'autres pays qu'on n'offre pas chez nous. Mais oui. C'est-à-dire que tu es fort. Tu mets ta force en valeur. Tu manges de ça. Ah oui, j'ai mon frère Mbanga. Voilà, avec sa taille, tout et tout, il fait la sécurité en Europe. Il s'en sort. Tout récemment, j'ai appris qu'il est rentré, il est en train de se construire. C'est quelque chose qui est bien. Et c'est quelque chose, je l'avais toujours dit. Comme mon ami, ce que tu fais, c'est les histoires. Va dehors. Il est allé dehors, il n'a même pas fait 3 mois de chômage. Sa taille lui a donné l'argent. Combien de gérants, des géants sont là dans la rue, partout à Douala, Yaoundé. Hein? La société t'offre quelle opportunité? Quelle opportunité? La société s'offre. Hmm? Donc vraiment notre pays ça va mal. On attend, mais oui, on doit même pleurer. On doit pleurer. C'est comme ça que l'Afrique se vidange de ses vrais enfants. Regardez bien, ça fait même honte. On devrait avoir honte. On est toujours en train d'acclamer nos frères qui sont loin à distance. Les autres peuples acclament les frères qui sont chez eux. Ça veut dire qu'ils paient les taxes là-bas. Ils paient les taxes. Ils paient les droits là-bas. Ça reste en France. Mais oui, ça reste en France. Mais nous, on acclame. Oui, c'est notre frère. Il s'appelle Cédine Doumbé. Il s'appelle Cédine Doumbé. Oui, nous alors. Nous. Tu l'as là. Moi, il est là. Je ne l'ai jamais vu. Parce qu'en fait, la manière qu'il fait, tu te rends compte, c'est quelqu'un. Il est français, en fait. Il est français. Voilà notre frère Samuel. Voilà notre frère Samuel Eto'o. Il veut tout faire en bloc. Il veut tout faire en bloc. Il avait tout fait, on a bloqué. Voilà, ça c'est un pays de sorciers en fait. Voilà quelqu'un. C'est que, on appelle le général Semenge. C'est lui, quand j'ai suivi son interview une fois, c'est lui qui a tué les Oumyobé. Les Oumyobé, c'est lui qui a tué. Les NF Wandi, c'est lui qui a tué. Plusieurs autres combattants. Il a m'appelé dans son interview là, que les maquisards. Les maquisards. Les gens aujourd'hui qui sont des héros nationaux. Héros nationaux. Ils les appellent maquisards. Le voilà aujourd'hui. Les années plus tard. Le voilà qui est en train de combattre la place avec son petit-fils Samuel Eto'o. Attendez, vous voyez, c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. Oui, laissez qu'on cause avec Samuel Eto'o, le critique parfois. C'est bien, c'est une bonne chose. C'est notre génération. C'est notre grand frère, c'est le petit frère de certains. C'est bien à écouter. Mais voilà un grand père. La dignité est où? Le Camerounais n'est pas digne. Il n'est pas digne. Voilà quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, a des bons postes, tous les avantages du monde. Il est général. Il a été chef d'état-major pendant des années et des années. Mais regardez avec qui il vient discuter. Oui, tu peux avoir une gang de cause, mais tu laisses. Parce que c'est ton enfant. Tout ça parce qu'on veut manger. Manger. Hein? Manger. Ah, dis donc, c'est un pays là-bas. Même dans la famille, c'est ton propre frère qui veut te tuer. Si ce n'est pas ton frère, c'est ta soeur qui veut ta tête. Non. On ne s'associe jamais pour aider. Pour le bien-être de tous. Jamais. On s'associe pour détruire. Quand tu vois les Africains, spécialement les Camerounais, s'associer, c'est pour détruire. Non, jamais tu peux voir dans une famille, on fait une réunion pour dire que bon, le frère qui est mort là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, voilà, toi tu donnes les cahiers, moi je paye la scolarité, toi je donne les béniers, en fonction des moyens de chacun. Jamais! Nadine Chou, bonjour. Ah oui, jamais de la vie, vous ne verrez jamais ça en Afrique. On s'assoit comme ça là, on s'associe pour trouver un terrain d'entente. Non, si on s'associe là, non, c'est pour amener une idée, pour détruire un frère. Personne n'était là pour t'aider. Non, personne n'est là. Quand tu te bats, personne. Donc quand je vois comme ça là, voilà mon enfant, quelqu'un qui mange 3 fois par jour.
Et voilà, il y a qui rêve que papa Cédric Doumbé a gagné. Cédric Doumbé a gagné. Il me réveille dans le sommeil. Il dit que, mais il parle de Doumbé, que peut-être son oncle, un oncle maternel dont il n'en te parlait. Que, mais, donc, il est venu à la maison. Et que, non, il dit que Cédric Doumbé a gagné. Est-ce que vous savez que je connais Mouna, un enfant de famille qui a pris la route, Abouna Moussa dit. Parce qu'on lui perdait le temps. Mais attendez, un enfant de famille a pris la route. Pourquoi? Parce que lui, chacun veut aussi rêver. Qui n'a pas le goût de la vie? Je suis guéri comment? Il faut contribuer, contribuer seulement. Allez, je suis guéri comment? Je suis au commencement. Voilà, je suis en train de consommer les médicaments là pour ramollir les pieds. Et puis voilà, avec ça. Après ça, on m'a arraché la peau là, la peau qui était calcinée. Voilà. On va arracher la peau qui est calcinée. Maintenant, on va faire les traitements et puis voilà, et puis faire les thérapies. Voilà. Donc, il faut donner l'argent. Il faut contribuer, participer. J'ai oublié. Merci de m'avoir rappelé. Est-ce que tu m'as rappelé? Hein? Je connais l'enfant d'un père à Bounamoussa dit. Un commissaire retraité qui n'a pas faim. Mais oui, je connais un commissaire retraité qui n'a pas faim. Un grand frère à Bounamoussa dit là-bas, dans mon quartier. Son fils a pris la route, son troisième fils. Il a mis la main sur la tête. Le petit a son master, tout et tout. Wow, wow. Le gars a pris la route, il est parti. Son grand frère quitte aux États-Unis, allez le trouver là-bas au Maroc. Que petit frère, on rentre, laisse. On t'avait dit que tu as d'abord, ben c'était quoi, ben c'est le master plus quoi, quoi là-haut. Il fallait finir ta formation. Il dit que non, le gars a pris la route. Ah, c'est terrible. Notre pays, ça ne vaut pas la peine. On acclame, c'est bien beau, oui, mais la suite, c'est que voilà encore une vague d'immigration. Cédric Doumbé n'a pas. Il est tout un modèle pour la jeunesse africaine. Il est tout un modèle pour la jeunesse africaine. Il va impacter. Attendez, regardez comment tous les superstars sont au stade. L'union fait la force. Mais Francine Nganou vient seul à son tour. Il fait ce qu'il va faire, il part. Personne n'est là. Samuel Eto'o vient, il fait ça, ce qu'il va faire. Personne n'est là. Non, personne. Division dans tout. Le système divise pour mieux régner. Personne ne s'entend. Vous avez l'amour, regardez. Ils ne sont pas là-bas pour accompagner Cédric Doumbé parce qu'ils veulent. C'est un devoir, c'est un droit. C'est le système qui t'impose que tu dois être là-bas. Tu bottes en touche, un champion comme toi. C'est les pays normaux, on réfléchit bien. C'est le système qui t'impose. C'est normal, tu portes un ami à l'aéroport. Mais il mange directement, il devient typiquement camerounais. Commence à jeter les choses par la fenêtre, par les vitres de la voiture. Pourquoi? Parce qu'il voit les poubelles partout. Quand on voit les poubelles partout, c'est normal que l'autre qui mange jette aussi. C'est clair. Mais il y a là où tu vas tenter. Tu peux tenter. tu peux tenter. Tu vas tenter comment? Toi, tu as peur. Sauf par erreur. Et on va t'appeler, on va te localiser. Tu vas payer les amendes. Tu vas payer les amendes. Mais un pays comme le Cameroun, ça n'offre rien à ses enfants. À part la merde, la pollution, le vol. Tu vas voir, les gens vont venir te parler. C'est un bagage diaspora, vraiment. Mon ami, je critique pour que le pays change. Moi, je suis jaloux de voir le pays des autres, c'est beau à voir. Et c'est normal, quand le chez-toi est comme la porcherie, c'est sale à voir. C'est normal qu'on te fasse ça dur. Tu veux le visa des autres, pourquoi? Pourquoi tu te plains? Que non, vous partez où? Le pays est bien, nous tous sommes rentrés chez nous. Même, je suis dans cette démarche-là. Qu'on nous chasse, nous tous. Ouf, fais pas chez les autres. Je suis dans la démarche-là. On nous chasse, chacun va aller, on va aller que chez nous. Voilà. Donc vous fuyez là, vous partez rester dehors au pays des gens. Moi aussi, moi dans le pays des gens. Non. Je viens me soigner, non? Je viens me soigner, non? Bon, ok. Imagine que dans mon pays, là, nous tous sommes là-bas. Imaginez la jeunesse. Voilà une fois de plus comme ça, la jeunesse africaine qui va se vidanger encore. Pourquoi? Parce qu'on a vu Francine Ngannou. C'est de là-bas que Francine Ngannou est devenu champion du monde. C'est de là-bas que Cédric Doumbé devient champion. C'est de là-bas. Comment tout ce qui est bien sort que de là-bas? Quelqu'un qui est quitté ici, il n'était rien. On doutait de lui. Il part là-bas, il réussit. Donc ça veut dire que là-bas,
il y a des opportunités. Là-bas, il y a des opportunités. Voilà une fois de plus la jeunesse africaine, l'Afrique qui va se vidanger de ses enfants. Parce que les gens auront la rage. Mais oui, c'est clair. C'est clair. Et on acclame. Oui, on acclame, c'est beau. Oui, ah oui, on acclame. Oui, notre frère champion. Oui, nanani, nanana. Mais oui, on ne voit pas ce qui est au fond. Mais oui, on ne voit pas ce qui est au fond. On doit avoir pitié. On doit avoir même honte. Non, c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Vous célébrez. Ça donne la route au Cameroun. Ça donne quoi? Ça apporte quoi? Ça apporte quoi? Imaginez que toutes ces infrastructures, on aurait ça au Cameroun. Moi, je vois un petit Tintin là. Hein? Quelqu'un là qui vient, qui, quelqu'un qui dit qu'il est de Mbanga lui-même. Je fais une vidéo des routes. C'est-à-dire, je fais une vidéo de la mauvaise état de route dans la ville de Mbanga. Un soi-disant Ebenezer Mbanga. Quelqu'un qui a toujours été nourri par la mamelle de Bamileke. Qui vient me dire que non, pourquoi je n'indexe pas Nganou Ndoumessi? Je vais faire une vidéo sur ton commentaire. Déjà, j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà fait la capture d'écran. Je vais faire une vidéo pour te répondre, Ebenezer Mbanga. Voilà. Parce que toi, là, tu n'as qu'été élevé par les Bamileke. Tu sais qu'on se connaît bien. Tu es un grand frère, tu as eu Bac, bien c'est Bac plus 3. Te voilà. Tu es rentré, acheté le cacao à Taïkeman dans le noir. Dans le noir. Voilà quelqu'un qui nous, qui manque, qui vit des Bamileke, qui mange des Bamileke, mais qui a tous les langages, qui fréquente, qui a même sa famille. C'est-à-dire qui a une famille Bamileke, parce que c'est quelqu'un qui a vécu que chez les Bamileke. Nous, on est Bamileke, mais on est tellement mélangé que c'est compliqué. Que moi, je ne sais même pas comment je vais venir tenir cette... Sur quoi moi, je n'ai jamais été d'accord avec Petit Pays. Que non, mais les frères Sawa sont les idiots. Mon frère, nous, en Banga, là-bas, on a des Sawa qui sont bien. Il y a les Bamileke qui sont feignants. En commençant par les Baganté. Beaucoup de temps, vous voyez un Camerounais qui a mis l'homme dehors en diaspora, qui est toujours bien sapé, tout et tout. Connaissez que c'est le frère de Mbanga diaspora. C'est un Wamen, c'est un Chakunte, c'est un Chamba, c'est un... Mais oui, voilà. Mais oui, comment? Il y a les Sawa bien nobles, comme Abdou. Hein? Comme Abdou et Dimo, mon grand. Il a R plus 5 comme ça, là, noble. Il n'est pas dans les affaires qu'il achète les chaussures de 100 000, 200 000, là. Non, 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 non. Non. Life Med, là, là où on a, à Sable, là-bas, à Sable, l'immeuble que vous voyez, là. L'immeuble que vous voyez, là, à Sable, là. R plus 4. C'est l'immeuble d'un doigt, là. Je veux compter quoi? Je vais compter qui laisse de qui. Mais voilà mon grand frère, si JC. Il a tout un gros domaine là-bas, des dos. Mais c'est un Douala qui vous a dit ça même. Qui vous a dit ça? Que les gens s'asseyent, ils emmerdent les gens. Tu es là, on parle. Nous tous, même l'ancien gouverneur Moukouette Bamda ne peut qu'être content de ma vidéo. Même le maire de Mbanga ne peut être content de ma vidéo. Mais quand vous êtes dans une démarche tribale. Tribal, vous réduisez tout à la tribu. Attends, Nganou Ndoumessi est nommé par qui? Il est nommé par Paul Biya. Il est nommé par Paul Biya. Je fais une vidéo, je mets sur la page Mbanga Diaspora pour dénoncer l'état de route. Si on arrange, c'est notre village, c'est notre ville, village de naissance. C'est nous qui allons en profiter. Dans une zone, en plein centre-ville. Plein centre-ville. Il y a les gros trous partout. Il y a les gros trous. Et là, c'est la vie des gens qui sont en danger. Mais tu vas voir un individu sort là. Pourquoi tu n'indexes pas Nganou Ndoumessi? Si Nganou Ndoumessi travaille mal, qui l'a nommé? On le met de côté, on le met en prison. Mais comme c'est un game, il n'est pas là-bas pour travailler. Il est là pour mettre sur pied la politique du chef de l'État, comme tous ont l'habitude de dire. Et sa mondovision, tout se voit. Dans chaque ville, il y a le commissaire spécial. Il est là pour rendre compte. Il y a le sous-préfet. Il y a tous les services de renseignement pour être au courant si tel a travaillé ou pas. Ou bien si un département ministériel a travaillé ou pas. Mais je vais faire une vidéo sur toi. Je vais afficher ton commentaire. Je n'ai jamais voulu parler de toi. Je vais m'adresser à ton père adoptif qui t'a envoyé à l'école. À toi, Banga Ebenezer. Je vais m'adresser à ton père adoptif. Parce que tu es un vieux. Voilà, et puis tu devais aller te chercher dans la vie. Te voilà, Bac plus 3. Tu es en train d'acheter le cacao avec le vélo. Voilà la jeunesse. Voilà ce que tu es devenu. Alors qu'un gars comme toi,
On t'envoie à l'école pour que tu aies aidé les acheteurs cacao à modéliser leur business. Regarde ce que tu es en train de faire. Tu es dans le tribalisme. Alors que ta vie, tu vis avec les Bamileke. Celui qui t'envoie à l'école, qui est verbe, où tu arrives, tu manges. Tes petits frères adoptifs, les Massami, sont tous les Bamileke. Mais toujours, et faites attention, ce dernier-là, je vais mettre une vidéo là. Ce dernier que je parle là, c'est quelqu'un que quand Banga Diaspora faisait les dons des machettes et les roues, il est venu demander une machette et une roue. Il y a de cela 5 ans, 6 ans. Banga Diaspora faisait les dons. Donc voilà quelqu'un. Et comme c'est un proche de notre vice-président de Banga Diaspora, je n'étais pas au Cameroun quand on faisait les dons là. On avait cotisé pour partager les roues et les machettes. Voilà les gens qui se plaisent dans le mal qui arrive au Cameroun. Donc ils n'ont aucun souci. On a été partagé les roues et les machettes aux pauvres mamans. Lui vient entrer parce qu'il a les relations avec nous. Il vient prendre une machette, une roue. Jusqu'il a même fait le commentaire. Eric Douglas, c'est comment? Donc ça veut dire que je vais mettre la vidéo où il est en train de prendre la roue. Donc notre souhait là, si on voulait que le Cameroun va mal, on ne peut pas faire les dons. Surtout un gars comme moi là. Je suis l'un des activistes qui parle et qui passe à l'action. Je ne me limite pas rien que aux vidéos sur Facebook. Je suis l'un des activistes de la diaspora qui a le courage de rentrer au Cameroun malgré les menaces, qui vit au Cameroun, qui a regroupé les gens, qui utilise les gens au profit de ceux qui n'en ont pas au Cameroun. Beaucoup sont dehors, ils parlent seulement. Certains font des cotisations pour envoyer pour que les autres, mais les autres s'en fichent. On peut mourir là-bas. Mais moi, là, je suis sur pied, sur le terrain. Voilà un monsieur qui a fait le forage, lui, pas puiser. Il puise l'eau sur notre forage. Le forage de la diaspora. Les vrais enfants de Banga, les Baloum de Banga, comme les Steve, le Canadien, tout ça, ils cotisent. Mais toi, tu ne veux pas que les choses changent en Banga. Mais c'est pas la sorcellerie. C'est pas la sorcellerie. T'as juste parce qu'il est tribaliste, en fait. C'est pas la première fois que ce monsieur-là vient faire les commentaires sur ma part. Allez voir là-bas, on appelle, ouais, c'est Kim Banga. C'est le tribalisme. Vous allez voir ses commentaires. Le jour qu'il vient, il ne vient jamais apprécier. Non. Il vient que le tribalisme. Mais oui. Oui. Et vous voulez que votre vie avance comment? C'est quand votre cœur est de la sorte, vous ne pouvez pas avancer. Mais oui. Vous ne pouvez pas avancer. Les autres vont toujours venir vous dépasser. Vraiment, c'est terrible. Hein? Voilà. Il faut participer. Hein? Donc, celui qui aime Banga Diaspora, qui paie même deux thérapies. Une thérapie, c'est 60 euros seulement. Donc, deux thérapies, c'est 120 euros. Voilà. Donc, il faut soutenir votre frère, votre collègue, votre ami et frère Banga Diaspora, voilà, qui a été torturé en 2019. Voilà, nous ne pouvons pas se soigner. Voilà. Est resté au pays sur place. Voilà, et puis le pied s'est calciné, le bas des pieds s'est calciné et j'ai les nerfs qui sont touchés. Donc voilà. Bon, voilà pourquoi j'ai voyagé pour me faire soigner. Pour ceux qui disent que Mbanga, tu as voyagé. Oui, j'ai voyagé pour me faire soigner. Et d'autres disent, Mbanga, pourquoi tu n'as pas fait soigner au Cameroun? Non. Les gens qui t'ont torturé ne peuvent pas te donner la santé. Voilà, et ils se renseignent sur toi. Imaginez que je partais à l'hôpital. Est-ce que vous savez que mon téléphone était sur écoute pendant plus de 3 ans? Pendant plus de 2 ans, autant pour moi. C'est un petit frère qui est sorti de Mbeng. Il m'a dit que grand, je travaille avec tel service en Europe. Donne-moi ton téléphone. Il m'a pris mon téléphone. Il a tapé un code. Il m'a dit, regarde. Donc, on nous avait mis sur écoute. Notre téléphone était sur écoute. Même le téléphone est longue que vous voyez là. On l'avait mis sur écoute. Voilà. Même quand on a laissé Fidolinke, je lui ai dit que, gars, tape ton téléphone comme ça. Dans le temps, on met ton téléphone sur écoute là. Tout ce que tu fais comme transaction, ils sont au courant. Quoi que tu fasses comme transaction, ils sont au courant. Ça veut dire que tu parles même chez un médecin, tu appelles, ok, oui. Mon ami, oh. C'est comme bonjour chez eux. En ce moment, on cible tes relations, tout et tout, et c'est toujours par le téléphone. Toujours par le téléphone qu'on avait mis sur écoute là, que je me rends compte que je me suis retrouvé quelque part avec quelqu'un que je n'ai pas su comment ça a commencé. Pour qu'ils me disent certaines choses. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même compris. Donc, ça part du téléphone.
C'est toujours à partir du téléphone qu'on me contrôlait que je pars au deuil à mon bord et on va piéger ma voiture. C'est toujours à partir du téléphone. Bah, j'avais des drames dans ma vie. Mais oui. Ça, j'avais des drames dans ma vie. Donc, il faut faire attention. Vous qui êtes là comme ça, là, avec des personnes à côté de vous, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et quelqu'un qui a cloné ton téléphone, quelqu'un qui a mis ton téléphone, tu écoutes, c'est à ta vie. Il connaît tes entrées, tes sorties, les gens avec qui tu communiques. C'est facile pour eux, pour t'avoir. Il faut beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs, faites beaucoup attention. Donc le combat n'est pas facile. Donc pour cela, on doit se respecter. Donc merci à toi, ma soeur Sandy de Boston. Voilà, j'ai écouté. On m'a envoyé ta vidéo. Vous savez qu'on a un décalage horaire ici, là. J'ai écouté ta vidéo, on m'a envoyé le voice, voilà, de ton live. Quelqu'un qui te suivait a enregistré cette place-là. Voilà, tu as parlé de moi. Voilà, tu sais, on a très bonne relation, on se parle parfois, oui. Voilà, tu sais, ma personne, voilà, j'ai souvent honte de faire certaines choses. Et puis voilà, comme j'ai toujours dit, on ne doit pas pleurer en public. Un grand homme ne pleure pas en public. Parce que ne crois pas qu'en pleurant en public, tu vas faire pitié aux gens. Non. Il y a ceux qui n'en ont rien à foutre. D'abord, il y a ceux qui attendent le jour de ton funérail pour boire les bières. Voilà. Pour boire les bières, pour manger même à ton deuil. Ils s'en foutent. Donc, voilà un peu comme je disais tantôt. Donc, pour tous ceux qui veulent participer au traitement de Banga Diaspora, vous êtes la bienvenue. Il y a le numéro Orange Money qui est là, le 696-94-32-42. C'est mon numéro Orange Money. Il y a le numéro MTN Money qui est là, le 683-40-97-55. Voilà, et le même numéro 683-40-97-55, c'est aussi mon numéro WhatsApp. Voilà, il y a le lien PayPal, hein. Tu fais le dépôt et puis tu me fais la capture d'écran. Et si tu veux rester dans l'anonymat, c'est toujours une bonne chose, mais fais-moi tout la capture d'écran. Parce que c'est à partir de cela qu'on fait les comptes. Voilà, que je vais faire les comptes. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, vraiment, voilà, c'est une Doumbé à gagner et c'est bien. On est content. Mais, qu'est-ce que ça apporte à l'Afrique? Ça porte à l'Afrique une fois de plus. L'immigration, les gens ont joué sur nous depuis les années. Quand on ne comprenait pas ces Européens-là. Regardez bien. Même chez eux, ils choisissent les meilleurs Africains. Mais oui, même chez eux là-bas, quand tu arrives, on choisit le meilleur, celui qui est bien. On met en haut. Ils font la promotion de chez eux. Quand nous aussi, on va faire la promotion de chez nous. Quand nous aussi, on va faire la promotion de chez nous. Je viens de faire une publication de notre où je m'adresse à notre soeur. C'était, non, arrêtez d'être les abeilles bêtes. Ce n'est pas une affaire de clash. Pour ceux qui disent que blogueur, influenceur, c'est quoi? C'est un métier. Youtubeur, c'est un métier. Blogueur, influenceur, c'est un métier. Si vous ne connaissez pas ça, le problème, c'est que vous êtes dans un pays où tout vient en retard. Quand quelque chose arrive au Cameroun, soit c'est un gars de la diaspora qui a ramené, soit si vous attendez, ça va venir même dans 20 ans. Vous n'êtes en vogue dans rien là-bas. Sur rien, vous n'êtes en vogue. Blogueur, influenceur, youtubeur, c'est un vieux métier depuis les années qui donne l'argent aux gens. Voilà pourquoi on n'a pas pitié de vous. Hein? Vous êtes dans un pays où les pages ne sont pas monétisées. Donc pour monétiser ta page, tu as toujours besoin de quelqu'un de la diaspora. Vous voyez les risques? On ne vous donne aucune opportunité de vous émanciper. Tout vient d'ailleurs. Mon ami, il y a des gens qui ont 5000 dollars tous les mois. 10000 dollars. 20000 euros. Influenceurs. Mais oui. Sur les vues là, ça rapporte de l'argent quand ta page est monétisée. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez d'être aigri. Ce n'est pas tel ou tel qui est la cause de ton malheur. C'est le système. C'est ton système. Le père que tu soutiens là. Le tribalisme dont tu soutiens là, c'est lui qui a mis ça sur pied pour détourner les gens. J'ai dit à une soeur, c'est pas une clash. Je suis vraiment très respectueux, très sympa. Que fleur de lune, tu dois encourager tes frères et tes soeurs. Tu dois aller joining. Au lieu de dire Samuel Eto'o ne paye plus les gens. Non, on doit augmenter les salaires. C'est un métier. Samuel Eto'o lui-même est président. Il a un salaire. Ses vice-présidents ont un salaire. Le coach Rigobert sont un salaire. Tous ces agents ont un salaire. Toute l'équipe médicale ont un salaire. Les footballeurs qui sont des milliardaires en Europe, ils sont les millionnaires en Europe, ont un salaire. Pourquoi pas les influenceurs qu'on a invités?
C'est déjà un plaisir, c'est déjà un pas en avant. Si, pour une grande première, on commence à avoir de la sympathie. Le plus important n'est pas de s'imposer. Tu peux t'imposer, on ne t'aime pas. Le plus important est qu'on t'accepte. T'accepter un concept. Donc ne viens pas dénigrer les autres parce que tu veux te faire. Non, ça c'est de l'égoïsme. C'est ça le Camerounais, typiquement Camerounais. Toujours en train de dénigrer l'autre. Pour dire que non, tu as trop demandé. Par la suite, faire semblant de faire pour rien. Par la suite, demander encore. Non, l'union fait la force. Seul, on va plus vite. Mais à la fin, là, on s'écroule toujours. Regardez ceux qui ont souvent eu le succès. Seul. Mais regardez bien, regardez les groupes comme le Magic System. Les Magic System sont toujours là. Ça veut dire que le jour, quand vous êtes ensemble là, vous allez rire comme c'est un groupe, ils sont quatre, oui. Mais ils ont un leader. Et quand tu vois le leader toujours chanter, non, fais attention. Parfois, ils chantent la chanson des autres. Ça veut dire que quand vous êtes nombreux, il y a toujours inspiration. J'ai compris le goût, la force du nombre depuis que j'ai mis Mbanga Diaspora sur pied avec mes frères de Mbanga. Il y a le jour où je ne parle pas. Il y a un moment que parfois, je ne suis pas de bonne humeur. Mais c'est l'autre qui vient avec son secret. Parfois, si je ne sors pas, c'est mon vice-président qui vient. Comme la rentrée. Donc on a notre petite soeur qui est à Dubaï, est venue, elle a mis sa part, sa barre haute. Elle a commencé. Parfois c'est moi qui commence. Si ce n'est pas l'autre, c'est Steve le Canadien. Si ce n'est pas tel, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit vivre entre nous. L'union, la force de l'union, c'est une force. C'est une force quand vous êtes nombreux. C'est une force. Les blogueurs, on doit avoir un salaire. Les gandons piquettes, c'est un travail supporté. Les mamans et tout doivent avoir un salaire, c'est un plaisir. N'est-ce pas? On a du plaisir de faire plaisir. On a du plaisir quand on fait des voyages, on offre les voyages à nos mamans. Elles prennent l'avion. Elles se font soigner dans les hôpitaux en Occident. On les prend aux petits soins. Mais pourquoi pas aussi? Vous voulez interdire qu'on paie les mamans et tout? Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi nous les Camerounais on est comme ça? Les gens vont venir dire que non, c'est la blague. Non. Ce qu'on dit en public n'est plus une blague. C'est pris en considération. On ne blague pas en public. On ne blague pas en public. Sur un sujet aussi sérieux. Tu peux pas venir dire que pourquoi on a invité les gens et on les a payés. On ne blague pas quand on est déjà une personne publique. On ne blague pas. C'est de la méchanceté. Parce que l'autre peut prendre ça en considération. Il applique. Il fait le chantage. Comme voilà, on a même dit que vous allez le supporter pour rien. Ceux qui refusent ont perdu leur travail. C'est un métier. Et si vous êtes là, vous admirez quelqu'un. Toi, tu as peut-être la grâce de Dieu. Tu es mieux par rapport aux autres. Mais les gens n'ont pas la chance là. Ils n'ont pas la chance là. Arrêtons à un certain moment de la vie. Moi, vous voyez, je suis dans les réseaux sociaux, non? Je ne viendrai jamais m'attaquer aux intérêts de quelqu'un. Non, non. Je peux critiquer la manière que tu fais, mais pas tes intérêts. C'est un peu comme le petit Franco. C'est un peu comme le petit Franco. Notre petit d'abord. Je n'aime pas appeler les gens petits. Excusez-moi s'il vous plaît. C'est un peu comme notre frère Franco qui fait les vidéos là. Petit, mon cher frère, je te dis un secret. La vie c'est quoi? La vie c'est pas génération. Et chaque génération a ses opportunités. Je te mets juste en garde, hein, sur ton grand frère, j'ai l'expérience de la vie. Il y a une star. Ah, je ne peux pas appeler le nom. Il y a une star qui constamment s'attaquait à une autre star. La star ne répondait jamais. Les années plus tard, le voilà qui le demandait de lui rendre un service. S'ils pouvaient faire un duo ensemble. J'avais dit que les voix que tu envoies là, ça va te créer des problèmes. Ce monsieur ne peut jamais accepter. Tu ne peux pas dire les choses sur quelqu'un et vouloir faire la suite, venir te réconcilier avec lui comme ça là. Non, vous n'êtes pas de la même génération. Quand un homme a bâti son image pendant 20 ans, 30 ans, et que toi tu viens d'arriver, je te parle parce que tu es vu là, tu as dit que non, tu vas voir Massa Jacob, tu vas boire une bière. Tous ceux qui parlent comme toi là, perdent leur vie, petit. Perdent leur vie. J'ai connu les plus grands artistes, les Lapiro de Mbanga, tout ça, les Ndjoumé Maurice, j'ai connu beaucoup. Fais attention. Ils ne voient pas le monde comme toi là. Tout personnage public de l'époque qui ne connaît pas utiliser les réseaux sociaux. Et quand tu viens, quand tu es en clash, comme tu dis, tu fermes le mensonge, tu dis, oh, il prend en considération dans son cœur. Fais attention. L'époque là, ça ne joue pas. Hein. Tu t'amuses, on te nie la main.
c'est les gens sans sentiment. Hein. Eux, c'est les gens sans sentiment. Parce qu'ils ont une seule chose. Leur dignité, même s'ils sont pauvres. Ils s'amusent pas avec leur image. Les gens de l'époque là. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux t'asseoir, tu fais les vidéos, tu as 100 000 vues. Et ils n'ont pas... ils ne connaissent pas encore utiliser cet outil-là. Dans les histoires que tu dis que tu vas clasher tel, tu vas faire telle chose, tu vas boire là. Hein? Fais attention. Mets-toi aussi tes gardes. Ce n'est pas différent de la politique, hein? Le clash. Tous ceux qui ont fait comme toi là, ont laissé leur vie. Non, c'est mon grand frère, ont laissé leur vie. Ont laissé leur vie. Oh. Je connais un ami à moi. À l'époque, dans le modèle, il sortait avec la femme d'un grand, un artiste. Le jour de son mariage, il invite l'artiste là. on a attendu l'artiste là jusqu'à 4 heures. Oui, je suis en route, Perica. Oui, allez, faut route. Allez, come. Et un man laisse ça. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, dit man. D'abord, dans le noir, on dit qu'on t'a agressé. On dit que tu faisais quoi à la femme du grand. Et en même temps, tu comptais qu'il va venir chanter à ton mariage. Tous les gens de l'époque ont leur vision. Ils ont une seule chose, ne blague pas avec. Massa Yacob, peut-être un jeune, mais c'est un homme de l'époque. C'est un homme de l'époque. Et tu l'as descendu. Oui, quand tu seras en train de boire une vie avec lui, la personne ne sera là. Ça n'a pas fait le nombre de vues que tu as clashé. Non. Tu clashes quelqu'un, tu as 100 000 vues, 200 000 vues. Tu te réconcilies avec lui. Il y a deux personnes, trois personnes. Fais attention. C'est ton grand frère qui te parle, qui a l'expérience. Ça paye cash. Moi, je dis toutes les choses avant qu'après les gens vont venir parler. C'est là. Moi, dis-moi la vérité. Je suis là, je suis sur Facebook pour enseigner mon expérience de la vie. Nul n'a la chance et infuse. Mais je pense que l'enseignement vient de tous les sens et puis on profite de la vie pour faire profiter à nos petits frères. Nous, on a vu des choses. On a vu des choses. Sinon, ce que nous, on est en mort. Voilà. Tu vois pas méga. Il y a des gens seulement sa femme parle bien de toi dans la maison. Vous avez les affinités. Il finit avec toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des personnes ici dehors que ne donnent pas la chance de dire bonjour à sa femme quand lui n'est pas là. Ne donne pas la chance à sa femme de visiter la maison de ton ami quand lui n'est pas là. Il y a des gens que tellement sensibles, tu t'amuses, il finit avec toi. On a l'expérience de la vie. Nous, on est déjà mort depuis. On est déjà mort depuis. Peut-être que je meurs la famille là. Que d'arrêter un peu, on me donne à manger, mange. Fais attention. Que je vais aller m'asseoir avec lui. Je vais boire une bière. Fais attention, mon jeune frère Franco. Tu sais, Steve Farr, quand il te dit que tu es sur la route, tu es sur les traces de Steve Farr. Steve Farr, lui, prenait les vidéos des gens. Il fait ses trucs chez son agent, il fait ses placements de produits. Il ne parle pas. Voilà le concept de Steve Farr. Steve Farr ne parle pas. Mais toi, tu prends la vidéo de quelqu'un et en même temps, tu le dénigres et tu te fais de l'argent. C'est deux mondes bien différents. Tu prends la vidéo de quelqu'un. Ta page est monétisée. Tu gagnes de l'argent. Et en même temps, tu le dénigres. C'est dangereux ton jeu. Fais attention. Si tu veux faire à tronquer la vérité, si tu veux faire jouer le grand jeu pour avoir sa part, tu vois un peu. Voilà. Si tu veux faire était dans le domaine politique, politicienne, il était ancré dedans. Mais toi, tu penses qu'en t'attaquant aux personnes simplement, tu n'auras pas de problème. Fais attention. Ouh. Non, je connais. Ah bien, c'est une bande de nos yeux. Je dis la vérité. Tant pis pour ceux qui ont venu dire cela que je suis un ancien boy plein. Je suis un ancien bangando. Il n'y a pas quoi que je ne connais pas. Il y a des gens qui ne t'attaquent pas à eux. Il ne doit jamais t'oublier. Il va te flatter jusqu'à tu vas venir vers lui. Et il finit avec toi. Fais attention. Tu prends la vidéo des gens, tu mets, tu regardes les vieux pères, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, tout et tout. Et tu te fais de l'argent. Non. Non. Derrière le fait que tu gagnes de l'argent en prenant leur contenu, pour toi, ça te suffit. Tu restes tranquille dans ton coin. Fais comme s'il veut faire. Ne parle pas. Ne réponds pas. Si c'est tellement le gang là, non. Il faut élever le niveau, non. S'il veut faire élever le niveau,
Il partait, on le mettait les casques, tout et tout. Il part en zone de guerre, tout et tout, on l'accompagne. Il manque. Lui-même, là, voilà son âme en train de brûler. Moi, il a dit qu'il veut prendre, une partie de sa maison. J'ai ma chambre derrière là-bas. C'est l'argent du Cameroun. Il a monté à manque de vision que ce n'était pas sa part. C'est l'argent du Cameroun, c'est le bien du Cameroun. Par si le colonel du génie militaire lui a donné deux forages, il s'attend à quoi? Faut faire attention. Faut faire attention. Même notre frère du journaliste là qui est parti là, c'est parce qu'il jouait dans deux camps. On ne blague pas. On ne blague pas. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, c'est mon conseil. C'est pas un clash. C'est, parfois, tu prends beaucoup de vidéos. Après ça, tu divises. Tu prends ce qui va avec toi pour ton intérêt. Et puis, ce n'est pas bien. Voilà. Et parce qu'il suffit seulement que je pas juste signaler ma vidéo que tu prends. C'est pas bien. C'est comme toi. Tu me dénigres. Tu prends une de mes vidéos. Tu te fais de l'argent. Et pendant ce temps, tu me dénigres. Voilà. Tu prends la vidéo où je suis en train de dénoncer les routes. Tu prends, tu t'assois chez toi. Tu me dénigres. Et ta page est monétisée. C'est pas bien. Tu joues un mauvais jeu. Tu joues un mauvais jeu. Tu joues un sale jeu. Voilà. Je peux faire voir affaire au gouvernement. Vous savez, quand tu es en cellule là, il y a les gars du sémin là qui venaient nous donner à manger. Qui venaient nous donner à manger. Qui sont avec toi. Mais quand tu as affaire aux personnes, aux individus, tu ne connais pas là où ça va sortir un jour dans ta vie. Il faut beaucoup faire attention. Fais ton s'il le fait. S'il va prendre ta vidéo, il fait comme ça, il rate par là, il fait comme ça, ou après ça, il gagne son argent. Tu le clashes, il ne répond pas. Tu lui dis, ne prends plus mes vidéos. Après un moment, tu peux s'en envoyer, il a encore pris ta vidéo. C'est comme ça. Tu te calmes. C'est clair. Que influenceur. Voilà notre soeur Karim, elle est montée à plus d'un million d'abonnés. Elle vante son Janson. Elle vante son huile. Et avec ses formes qu'elle présente aux gens, tac, ça attire. Même toi, tu pourrais être un bon photographe. Mais quand on veut l'argent, ah, cherchons l'argent. Mais derrière l'argent, il y a aussi le diable. Hein. Il y a aussi le diable. Hein. Ça, c'est mon conseil. Voilà. 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 Derrière l'argent qu'on cherche là, il y a aussi le diable. Voilà. Quand on dit le diable, ça veut dire que derrière l'argent, il y a tous les coups. Tous les coups sont permis. Voilà. Tu t'oublies, on finit avec toi. Parce que je connais, tu es quelqu'un. Ton fond montre que tu n'es pas quelqu'un de mauvais, mais tu es naïf. Voilà. Et tu es quelqu'un qui pourchasse absolument le gain. C'est pourquoi quand la petite soeur a signalé ta page récemment, tu as tellement pleuré. Tu as pleuré. Non, on ne pleure pas quand on cherche les problèmes. Quelqu'un qui vend les œufs n'a pas cherché les problèmes. Voilà. Ça veut dire que si tu t'attaques à quelqu'un dans le clash, lui aussi, il utilise aussi le côté qui peut te faire du mal. Voilà. Tu prends une vidéo qui que moi j'ai droit sur ça, tu mets sur ta page pour te faire de l'argent et tu me dénigres. Non, c'est pas bien, faut faire attention. Tout ce que je peux te dire. Sinon, ton film ne sera pas long. Ça, c'est un conseil de grand frère qui a vécu. Voilà. Bonjour, Awayalo, comment tu vas? Donc, pour tous ceux et celles qui souffrent, et madame, achetez les produits sur vos maris. Achetez les produits sur vos maris. Les hommes qui ont les problèmes d'éjaculation précoce, là, voilà les produits. Voilà les produits. Voilà les produits, les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le Super Love. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun et Maroc aussi. Les hommes, c'est la honte pour un homme qui monte sur une femme 10 minutes, il a la joue. C'est quoi ça? C'est honteux. Tu souilles les hommes, monsieur. Je dis, tu souilles les hommes. Il est anormal. Bonjour, monsieur Nana Bertin de l'Italie. Voilà un homme qui a participé pour nous déplacer du Noso l'autre jour. C'est anormal que tu montes sur une femme, tu fais 10 minutes, tu as joui. Et tu t'as apporté que tu es un homme. On t'a dit qu'un homme, ça veut dire avoir 10 immeubles. 10 immeubles. Non, un homme, c'est aussi quelqu'un qui bande. Qui prend une garantie, là, ça chauffe. Elle se chère, elle peut aux toilettes, elle verse l'eau dedans. C'est aussi ça, un homme. Que oui, tu as confirmé. Que non, n'est pas, c'est juste, c'est pas pour joui. Et il faut venir te plaindre de ça en public. Oh, vraiment, ma femme m'a trompé, mais ta femme te trompe, mais j'ai vu un réalisateur là, on dit que sa femme est partie, mais on vient tout pleurer que sa femme est partie. On cherche aussi à savoir, est-ce que sa femme jouit? Quand on vend les produits comme ça là, vous refusez d'acheter, vous avez même honte. Vous aussi les femmes, quand ça ne va pas acheter, vous donnez à vos maris. Comment tu peux supporter un homme qui a la mauvaise haleine?
il ne se brosse pas. Ça ne te dérange pas. Mais achète-lui la sansodine. Achète-lui la brosse. Ton mari monte sur toi 5 minutes, il a joué comme le canard. Mais ça ne te dit rien. Donc tu es mal intentionné. Tu as le comportement d'une vendeur de piment. Même les vendeurs de piment sont fidèles à leur titulaire. Moi, je suis un enfant de Mbanga, quartier 6, né au quartier 6 là-bas. Non, je suis un enfant du quartier 7, mais j'ai grandi chez mon grand-père au quartier 6. Monsieur, madame, tout notre derrière là, c'est le quartier de Waka. J'ai pas envie d'appeler le nom ici là, pour m'attaquer à cette tribu là. J'ai pas envie d'appeler ce nom ici là. Je vous dis bien que j'ai connu les grands sœurs avec leur titulaire. Elle n'est pas au marché, elle achète des choses pour mettre son titulaire en forme. En forme. Ah, vous êtes là. Elle dit non, ma femme est partie. Ta femme est partie. Ta femme est. Elle dit, ta femme est partie. Est-ce qu'elle jouit? Ta femme jouit. Petit chien. Tu mords là, tu jouis comme le canard. Tu sais pas que. Tu sais que des deux êtres humains, la femme et l'homme. La femme jouit rarement, difficilement. Pour connaître ta femme a joui, est-ce que tu as essayé de voir si c'est ça a mouillé? Même si elle n'est pas femme fontaine, que ça va se verser partout. Hein? Même si elle n'est pas femme fontaine, que ça va mouiller le lit. Mais il y a seulement quand elle a joui là, tu comprends que non, elle a joui. Ça commence à glisser. En ce moment, tu es obligé de faire appel à l'arbitre de touche. Voilà ce qui va te sauver. Et ça dépend aussi de ton âge déjà. Tu as là les problèmes. Les problèmes de la vie t'embrouillent le cerveau, petit. Achète le produit ici-là. Il y a même les hommes qui ont la faible l'éjaculation précoce à 25 ans. C'est les problèmes. Hein? Il y a aussi ce qu'on appelle le trop plein. Hein? La vessie est pleine. Tu as trop de sperme. Tu manges trop les faux choses. Les hamburgers. Tu bois les Coca-Cola. Tout ça. Tout ce qui va avec. Ça remplit. C'est clair. Ce n'est pas une maladie, l'éjaculation précoce. C'est pas une maladie. Non. C'est parce que tu as ce qu'on appelle le trop plein. Voilà le produit super love, best-seller. Baisse-le, ça te fait faire une heure de temps sur une femme. Et il y a les femmes que tu elles ne méritent pas faire 10 minutes dans le lit avec toi. C'est honteux pour toi. Mais c'est honteux. Attendez, mais tout ce que tu as fait là pour faire 10 minutes au lit. Donc, attendez, donc tout ça pour ça là. Elle va te secouer sa tête, elle va dire vraiment. Quand tu perds ce monde de toi, voilà pourquoi il y a les femmes que tu invites chez toi. Après un tour là, elle ne revient plus. Oui, elle aime ton argent. Oui, tu lui as donné l'argent, mais elle aussi, elle te voulait en vrai parce que tu es son genre d'homme. Mais au lit alors, tu as montré que tu es cosson. Tu es sifra, comme disent les Arabes. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas différent d'un depso. Man, un homme qui ne bande pas bien, qui ne tue pas sur la femme, n'est pas différent d'un depso. Donc tu mérites que toi, tu te tournes, on te prenne par derrière. Salopard que tu sois. Achète le produit chien que tu... Mouf. Voilà le produit. Super love, best-seller. Elle te fait une temps sur la femme. Voilà, il n'y a pas d'âge. Nos parents là chicotaient les femmes bien. Tu crois que les pères qui faisaient les enfants à 70 ans, à 80 ans, tu vois c'est quoi? Tu vois un père au village, il a épousé sa femme 90 ans. T'as dit qu'il mangeait les hamburgers. Aujourd'hui, on est dehors, on mange n'importe quoi. Voilà ce qui va t'aider. Voilà. Donc arrêtez de faire honte aux hommes. Et c'est à cause de vous comme ça, c'est à cause de vos comportements là, que beaucoup de femmes pensent que tous les hommes sont mêmes. Vous voyez une femme pas au marché, son mari rationne. Il y a les femmes ici dehors. Le mari rationne pour un mois, mais elle n'est pas au marché seule. Matin, midi, soir, elle passe son temps à connaître les assauts, par-ci, par-là. Le genre de femme là, c'est parce qu'elle n'est pas à l'aise chez elle, elle n'est pas satisfaite. Donc sa distraction, c'est aller au marché. Hein? Demain, tu vas comprendre que le gardien a pris ta femme. Demain, tu vas comprendre que le vendeur de viande au marché est passé sur ta femme. Tu vas dire que quoi? Je vois les gens viennent sur la télévision, non, ma femme est partie depuis. Pose-lui aussi la question. Est-ce qu'il bande bien? Moi, tu dis ça. Est-ce que tu bandes bien? Voilà. Donc, voilà le produit. Mon ami, à un certain moment de la vie, je me fais accompagner. J'appelle ça le coach. Le coach des couples. Super love, vessel. Voilà, super love. Donc, si tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro 683 40 97 55. 683 40 97 55. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Italie et Cameroun. Voilà. Quand on te dit d'acheter, n'achète pas, tu dis que tu prends une boîte, non. Voilà. Il faut prendre ça même 4 boîtes, même 5 boîtes, tu mets à la maison. Tu utilises ça peut-être chaque 2 jours, 3 jours. 2 jours, 3 jours. Voilà. Et tu vas voir que ton système va revenir. Tout est parfois mental en fait. Voilà les produits pour perdre le poids. Voilà les produits pour perdre le poids. Billy Slim. Ça te fait perdre de 0
à 15 kilos. Lily Slim, tu prends 3 boîtes. On a déjà le stock en France. On a ça à Nagogo en France, actuellement là. Pour ceux qui m'appelaient là, le stock est arrivé en France. Lily Slim. Et on a aussi ça au Cameroun. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 30, à 15 kilos. C'est les produits herbal, comme on appelle ici là. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà le produit. Voilà. Voici aussi les produits naturels bio pour la calvitie. Donc si tu as les chutes de cheveux là, et si tu veux la barbe, hein, tu veux la barbe, voilà. Tu veux une belle barbe, hein, voilà. Voilà, moi j'avais la calvitie, voilà, voilà ce qui m'a aidé. Hein, si tu veux, voilà, si tu as le problème de chute de cheveux, les femmes là, les femmes qui sont parfois comme les manies ici, les sorcières, trop de mal, hein, vous n'aimez pas vos belles-mères, vous croyez que Dieu va garder votre beauté comment? Vos maris aiment vos femmes, mais en retour, vous n'aimez pas la mère de vos maris aiment vos mères, mais en retour, vous n'aimez pas les mères aussi. Vous croyez que Dieu arrache vos cheveux. Voilà. Donc, voilà, tu mets ça là, hein, sur l'espace. Donc, c'est pourquoi quand tu veux ça, le produit, là, je te demande la photo. La photo, tu m'envoies la photo de l'espace qui perd les cheveux à mon numéro WhatsApp plus 237-683-40-97-55. Mon ami, les produits sont bio, c'est naturel. Je suis en Indonésie. Je suis en Indonésie. Tout est bio, ici, là. Voilà, tu mets sur ta barbe. Oui, ma soeur chérie, Loku. Comment? Voilà. Tu frottes sur ta barbe, là. Matin et soir, tu peux aller au bureau avec. Quand il te dit, là, tu m'envoies la photo de l'espace où tu n'as pas les cheveux, que tu veux que les cheveux poussent là-bas. Voilà, ok. Là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je te dis le nombre en voyant l'espace. Ou bien l'espace qui a perdu les cheveux, ou tu veux que tu... ça ait les cheveux. Et je t'envoie maintenant, je te dis maintenant le nombre qu'il te faut. Voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France et au Cameroun. Où que tu aies, tu peux commander à mon numéro, plus 237-683-40-97-55. Et je vais te faire parvenir le numéro de mon partenaire. Voilà. Qui est là où tu peux imaginer. Donc voilà. Il y a aussi les produits pour la... où le produit là-même? Il y a les produits pour la goutte. Hein. Achetez les produits pour la goutte. Voilà. Donc voilà. Il y a les produits pour la goutte. Il y a les produits pour la goutte. Voilà. Tu vois souvent les papas qui sont là devant la porte, ils n'arrivent plus à marcher. On dit qu'on les a lancés un mauvais sort. Toi aussi, tu vas au Cameroun, tu rentres, tu dis qu'on t'a lancé un mauvais sort au village. Ton pied commence à chauffer, ça picote, tout et tout. Non. Non, tu as trop mangé de viande, la viande rouge. Oui, normalement c'est normal, tu commences à avoir la goutte. Gisèle, tu m'appelles. Gisèle, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Écris-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 237-683-40-97-55. Ou à mon numéro WhatsApp, l'autre mon numéro WhatsApp qui est le plus 62-812-125-244-98. Voilà, si tu as besoin de te faire soigner la goutte. L'acide urique, voilà le produit. L'acide urique, voilà le produit. Voilà, plus 60. Tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Voilà, tu as de la peine quand tu marches, tu boites un peu là, voilà, ça fait mal un peu. Voilà, et puis avec le temps, tu ne dois plus porter les chaussures sur le blague. Donc je t'invite à consommer ce produit-là. On a déjà le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà, le produit pour la goutte. Voilà. Je t'invite. Ok, à m'appeler à mon numéro WhatsApp, l'acide urique, voilà, c'est aussi bien, c'est bien pour les articulations, surtout que l'acide urique va se cacher là où tu as les articulations, là. C'est là où ça se cache, ça se casse, ça se cache autant pour moi, ça te fait tellement mal, et tu penses qu'on t'a lancé un mauvais sort, tu bois trop de bière, tu manges trop de viande rouge, donc voilà, je t'invite à consommer ce produit, cela. Achète ça pour ton grand-père, pour ta mère qui souffre aussi d'atroce, voilà, qui souffre aussi de l'acide urique, voilà, ça va te faire du bien. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc arrêtez de me dire que bravo, courant pour ma santé. Il faut aller contribuer dans le numéro Orange Money. Le numéro Orange Money est là, le lien ne peut pas aller là, non. C'est épinglé là. Orange Money, c'est le 683-40-97-55. Donc voilà. Je dis là comme ça, merci à Adonis. Adonis, voilà, qui a envoyé sa contribution. Merci. Voilà, merci. J'ai dit comme ça aussi, merci à ma soeur Olive qui a envoyé sa contribution.
J'ai dit comme ça merci à Désiré et Dimo qui a envoyé sa participation. J'ai dit comme ça merci à Monsieur Elessa. Voilà, le bon garçon de Dibombari qui a envoyé sa participation. À William Mokap, merci. À Charlie, merci. À Alain Kamga, merci. À Jires d'Allemagne, merci. À Malise, merci. À Steve Ngako, merci. À Francis Happy, merci. Voilà. Donc, merci pour tout ce que vous faites à mon endroit. Voilà, c'est une marque d'amour et de reconnaissance. Voilà. Merci à monsieur Ruben, voilà. Merci à tout le monde, à tous ceux-là de près ou de loin. Je vous dis grand merci, vraiment. Ça me va droit au cœur. Ok? Et merci aussi à mon frère. Il s'appelle le président Olivier. Olivier le visionnaire. Merci à toi. Voilà, je continue à attendre et merci à tous ceux-là qui sont dans l'anonymat. Donc, vous faites le dépôt et vous m'envoyez la capture d'écran. Donc, sur ce, vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Voilà. Pardon, tu dis le numéro là très vite. Voilà. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237, voilà, 6 83 40 97 55. Tu as compris, Gisèle Meignet. 6 plus 237, 6 83, 40, 97, 55. C'était un plaisir. Je vous ai dit d'ici quelques jours, là, voilà un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché. Le masque pour le visage. Il y a aussi la version femme. Le masque pour visage, pour les hommes. Pour avoir un beau visage. Donc voilà. Je vous aime et je sais que vous m'aimez. Voilà, je crois que je devais être déçu. Mais grâce à vous, j'ai espoir. J'ai espoir parce que d'abord, la guérison est morale. Hein? La guérison est morale. Parce qu'avec tous les tracasseries que j'ai eu au pays, voilà, pouvoir sortir, je me suis battu. J'ai eu le visa et je suis venu ici. Là, tout est en train de. Tout, il fallait recommencer tout, quoi. Voilà, et puis c'est la santé m'inquiétait. Donc voilà, et puis. Je vous dis. I love you so much. I love you. Mais un combattant doit aussi se battre. Il faut d'abord aussi sa part. Aide-toi et les autres vont t'aider. Comme dit un adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Merci à vous tous, je vous aime.